Voilà, je sais, mais si, je sais pas. Du coup, là, il faut qu'on cherche le ferry pour le prendre. Je sais pas, ça se prend où? C'est pas là-bas? Oui, c'est là-bas. Ah, c'est parfait. Ah, bah écoute, il nous ramène jusqu'où ici? Regarde, maman. Maman? Bah, juste là, en face de l'hôtel. Ah, bah c'est parfait. Ah, la marche, c'est là-bas après. Allez, allez, on prend. C'est mieux celle-là, parce que sinon, ce sera dans 10 minutes. Voilà, parfait, bah c'est parfait, parfait. Voilà, celle que le ferry, on a raté. On attend le prochain, je sais pas quand, dans 5 minutes, je pense, parce qu'il y a souvent. Maximum 10 minutes, c'est dommage, parce que, ah, c'est beau, là. Ah, c'est magnifique. Bah, écoute, ce soir, si on arrive plus tôt, bah, on va profiter de cette belle vue. Ça commence à midi, en tout cas. Lunch et dinner. Ah, bah, c'est parfait. Ok. Du coup, là, c'est bien, en fait, c'est le ferry juste devant l'hôtel, là-bas, derrière. Vous voyez, look out, juste là-bas. On a été hier, voilà. Et là, l'hôtel juste à côté, c'est ça qui est bien. On est en plein centre-ville de Amsterdam. Et voilà, là, on prend le ferry, station, Central Station, voilà. Elle est marquée là-bas, mais bon, on ne voit pas avec la lumière. Qu'est-ce que c'est bien? Je précise, c'est bien gratuit. Le ferry est gratuit, c'est le passage entre ici et là-bas. Du coup, ça vous permettrait de ne pas marcher. Dès le matin, on prend le ferry. On prend les premières places, tout le monde court. Vous pouvez s'asseoir si vous voulez, mais bon, moi non. Je suis à la première vue. Waouh! Excellent. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, Central Station. C'est parti pour prendre le bus. Et voilà, c'est parti, la course commence. Là, on est parti en courant parce qu'on a vu le train à 7h15 et on est là à 14h. On est arrivé vraiment pile poil au bon moment. Voilà, on a couru. Ma mère, j'avais mal au cœur pour elle parce qu'elle a couru avec nous, la pauvre. Elle ne pouvait plus. Voilà, destination directement au train. On est sorti. Voilà, on a pris le train. On était assis pour à peine 5 minutes parce qu'on n'avait qu'un arrêt à faire. Le train, on a eu à justesse, mais vraiment pile poil. On a monté, ça sonnait et on est content. Alhamdulillah. Là, il nous reste 20 minutes pour prendre le bus pour Rotterdam. Voilà, on a quitté la gare pour arriver à la gare routière pour prendre le bus Flixbus pour aller à Rotterdam. Voilà, Amsterdam, c'est le pays des vélos, tout simplement. Et voilà, et là, on arrive à Rotterdam. On a rentré dans la gare, on a vu le Tour Eiffel. Voilà, c'était beau, c'est beau à visiter, c'est beau à voir. En tout cas, Rotterdam, c'est une jolie ville aussi. Il faut la visiter. Si vous êtes à Amsterdam, allez-y à Rotterdam, comme ça, au moins, vous combinez les deux villes. Voilà, voilà, j'ai vu le Tour Eiffel aussi, c'était beau. J'ai vu qu'ils donnent des chapeaux, bah, j'ai pris un petit béret, voilà, orange, Hollande. Comme ça, c'est un beau souvenir. Rotterdam Central Station. Je prends une photo s'ils veulent bien me laisser faire. Parce que chaque fois que je vais prendre une photo, il y a toujours du monde. Voilà, ben, ils prennent la photo directement. C'est pas grave. Voilà, c'est parti. En fait, notre programme, on va jeter directement dans la poubelle. On ne peut plus le suivre. On a raté 2 heures. Du coup, il y a beaucoup de choses qui vont. Hop, next, direct. On va faire ce qu'on peut faire et c'est tout. En tout cas, on est là, je suis contente. On va découvrir ce qu'on peut découvrir. Première destination au marché Marktal. Allez, Apios, amigos. On est pour 21 minutes. C'est bien. Macadam, il va bien marcher aujourd'hui. Macadam vient bien travailler aujourd'hui. C'est bien. Hier, on a réussi à faire 20 000 pas. C'était moi. Bon. On continue la marche, on va découvrir ensemble après le marché Marktal. En marchant, j'ai vu sur la ville Rotterdam un petit espace comme ça. Ben, je dis pourquoi pas. Et ici, à droite, justement, c'est le pâté, ça veut dire cinéma. Voilà.
Et là, en fait, c'est une grande place. Il y a de l'espace, il y a des enfants qui jouaient. Vous allez voir là, il y a de l'eau. Je voulais me mouiller, mais j'ai dit non quand même, parce qu'après, c'est compliqué pour sécher. Il y avait plein d'espace en fait, et je pense qu'il y a le soir des choses en fait. Soit cinéma de nuit comme ça, soit des choses. Ah oui, et le foot aussi, je pense, ouais. Vas-y, voilà. Voilà, j'ai touché de l'eau quand même, parce que c'était l'incitation à le voir. Il y a des choses, mais je pense yoga aussi, parce qu'il y a des tapis, yoga, au sport. Pareil, comme je dis à Amsterdam, pas à Rotterdam, c'est le pays des vélos. C'est obligatoire. Trop mignon. Zara, deux étages ici. Primark. Il est où Primark là? Ah ouais. J'ai pas le temps pour lui. De toute façon, j'aime pas trop. Attends, il y a marqué là-bas forum aussi. Forum de quoi? Attends, je vais avancer un petit peu. En tout cas, pour notre séjour ici à Amsterdam, je suis contente parce qu'il fait chaud. Même très très chaud. Forum Rotterdam. Ça t'intéresse ou pas? Regarde. Milo, Forum Rotterdam, tu veux qu'on passe après? Forum Rotterdam, là, juste à côté de Primark. Okay. C'est pas ici, marché couvert? Non? Non, la belle, mais j'ai pas attendu. Là-bas, c'est bien, bien centre-ville, là, non? Ouais. Je verrai. Bah voilà, on cherche pas un restaurant. Et voilà, c'est parti pour le tour à Rotterdam. Je vis celle-là comme un centre commercial, en fait, qui est beau, qui est super, qui est jolie. Voilà, j'ai pris une photo vidéo quand même. Et ici, on peut faire du surf. Voilà, c'est à Rotterdam. Apparemment, la location, c'est là-bas. Voilà, après, il y a le canoë. Et surf aussi, parce qu'il est marqué au bout, tu vois. Contre le mur, tu vas voir si surf aussi. Voilà. Il sent que je suis le pauvre. À droite, à gauche. Allez, je te laisse tranquille. Allez, c'est bon. Ah bah, maintenant, c'est toi qui me suis. Hein. Ah bah, je t'attends pas. Ok, je te suis. Hein. Non, t'aimes pas? Ok, ça marche. Ciao, ciao. C'est bon, c'est bon. Il allait nous montrer la route. Dommage, hein, parce que moi, je l'ai bien. Perdu, là, sans ah bah oui. Voilà, après pratiquement une heure de marche, parce qu'on a pris du temps, on a filmé, on a rigolé, on a tout ça. On arrive à marché couvert normalement, si je comprends bien. Les mises en cube. Ça, on va faire la visite tout de suite. Ah, c'est beau, franchement. Ah, c'est ce bâtiment-là, je vois depuis tout à l'heure. Voilà, c'est celui-là. Voilà, voilà. Ah, bah, c'est ça, marché couvert, je pense. Oui, c'est ça. D'abord, on va acheter de l'eau parce que vraiment, j'ai soif. Je vais prendre ma bouteille d'eau. Et après, on commence la visite. Et voilà, on arrive au marché couvert, le Markthal. Allez, let's go. Le marché est grand et vaste. C'est joli, c'est lumineux. Il y a beaucoup de couleurs, c'est gai. Il y a beaucoup de restaurations surtout. Et beaucoup de restaurants, surtout les asiatiques, voilà. Je trouve que c'est un seul, je pense, maghrébin. Mais la plupart, c'est asiatique. Des saveurs, oh là là, elle rentre par le nez et laisse tomber. Là, j'arrive pas à la faire sortir. Qu'est-ce que c'est bien? Il y a plein, là, ici aussi, il y a l'escalator. Il y a plein d'étages. Et je vois, en fait, il y a plein de fenêtres.
Et je dis, c'est impossible, il faut une habitation. Et c'est vrai, parce qu'on a tourné autour de le Marktal, en fait. C'est vrai, il y a même des balcons à l'extérieur. Je n'ai pas filmé, je suis désolée. Et du coup, il y a des habitations. Je ne sais pas, mais l'architecte qui l'a fait, les fenêtres comme ça qu'on le voit, c'est super. C'est vraiment joli et beau. Si vous êtes à Rotterdam, n'hésitez pas à visiter le Marktal. Et celle-là, c'est une petite exposition qui est juste magnifique parce que j'arrivais au bon moment. C'est des pop-corn glace, voilà. Pop-corn en glace. C'est comme vous allez manger pop-corn, sauf c'est sucré et glacé. Vous allez voir à la fin qu'est-ce que ça sort de la bouche. Du coup, celle-là, j'arrivais à la fin. Et la petite, elle a goûté, hein, voilà. Ça sort de la bouche, ça fume. Et quand je me demandais, est-ce cold, elle m'a dit oui, voilà. C'est vraiment froid. Du coup, j'insiste à la deuxième scène. J'ai accéléré un petit peu, bien sûr, pour... voilà. C'est beau, c'est très joli à avoir. Je n'ai pas goûté, pour dire la vérité, parce que ça coûte 5 euros, je pense. Et je trouve c'est vraiment très cher pour 5 euros, pour un gobelet, en fait, de popcorn. Je pense que c'est plus la façon de le faire qui est vraiment magnifique. Voilà. Du coup, comme ça, au moins, on découvre ensemble la nouveauté de celle-là, parce que c'est la première fois que je vois ça, et c'est super. Voilà, une petite balançoire, pourquoi pas, c'était le moment idéal pour moi. J'ai dit, je profite. Je vous dis à la suite pour la ville de Rotterdam dans le prochain vidéo, Inch'Allah. À ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Allez, ciao, ciao.